Dans cette vidéo, je vais te montrer simplement comment valider ton compte YouTube rapidement. Et on va voir ça tout de suite. Salut, c'est William. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ici, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, je te souhaite le bienvenu, la bienvenue. Je te partage ici les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité importante, un détail important sur ta chaîne, c'est le fait de valider ta chaîne YouTube. Sinon, tu n'auras pas accès à certaines fonctionnalités comme les miniatures personnalisées ou mettre des vidéos de plus de 15 minutes ou même faire du direct sur ta chaîne YouTube, ce qui serait dommage. Donc, c'est très rapide pour valider son compte YouTube. On va voir ensemble les étapes et ensuite, je te montre sur l'écran comment est-ce que ça se passe et on va démarrer. Et la deuxième chose que je veux partager avec toi, c'est que j'organise une masterclass gratuite concernant YouTube sur comment vivre de sa passion et monétiser sa chaîne YouTube en 2021. Ça aura lieu le 13 janvier 2021. Donc, tu peux retrouver le lien directement dans la description pour t'inscrire. C'est totalement gratuit et on continue cette vidéo. Alors, pour valider ton compte sur YouTube, ça va être très simple. Tu vas aller sur ta chaîne YouTube, donc une fois que ta chaîne est créée, etc. Donc, ça, c'est une chaîne où je n'aurai pas de contenu dessus. Donc, c'est une chaîne totalement vierge. Tu vas cliquer ici. Tu vas aller dans ton YouTube Studio. Ensuite, tu vas aller dans tes paramètres. Donc, les paramètres de ta chaîne YouTube qui sont ici, tout en bas. Tu vas cliquer sur « Chaîne » juste en bas de « Paramètres généraux ». Accès aux fonctionnalités. Alors voici ce qui se passe lorsque tu ne valides pas ta chaîne YouTube. Tu as les fonctionnalités par défaut, c'est-à-dire tu peux mettre des vidéos en ligne, tu peux créer des playlists, tu peux ajouter des collaborateurs aux playlists et tu peux ajouter de nouvelles vidéos à des playlists existantes. Ça c'est très bien. Mais lorsque tu ne valides pas ton compte, voici ce qui se passe. Tu ne peux pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes, tu ne peux pas mettre des miniatures personnalisées, tu ne peux pas faire de streaming en direct et du coup tu ne peux pas protéger également le contenu de ta chaîne avec la possibilité de faire des appels, des revendications de Content ID. Donc ici, tu as juste besoin de mettre valider votre numéro de téléphone. Ça va t'ouvrir un nouvel onglet. Tu choisis ton pays, tu mets ton numéro de téléphone. Donc là, je vais mettre le numéro, je vais pas te le montrer bien évidemment. Et après, tu vas voir qu'on va valider le code simplement et notre chaîne sera validée. Donc je choisis envoie-moi le code par SMS, je mets le numéro. Et une fois que j'ai cliqué sur envoyer, je vais simplement recevoir un code. Donc c'est un code à 6 chiffres que tu recevras sur ton téléphone. L'expéditeur c'est Google, tu entres le code à 6 chiffres. Donc voilà, tu peux le constater, là mon compte YouTube a bien été validé. Alors pour vérifier qu'il était bien validé, je vais fermer cet onglet. Là, ça s'est actualisé, d'accord? Et on voit que là, c'est bon. On peut mettre des vidéos de plus de 15 minutes, des miniatures personnalisées, faire du streaming en direct et faire appel des revendications de Content ID. Donc là, c'est bon, j'ai toutes les fonctionnalités qui sont activées. Bon, j'ai pas la monétisation, bien évidemment, mais les fonctionnalités de base, en tout cas, pour avoir une chaîne YouTube qui permet de créer du contenu régulier, sont activées. J'ai besoin de cliquer sur fermer et c'est bon, mon compte est validé.